J'aurais laissé la porte ouverte cette nuit. Vous avez eu un réveil en douceur, du coup? Alors, j'ai eu un faux espoir en début de semaine. C'est qu'il y avait eu une journée avec 3 œufs et une journée avec 2 œufs. Mais après, c'est revenu, comme d'habitude, à 1. Momentanément, j'ai eu une petite joie. Et puis, notre petit garnement, là, notre mâle viril, il s'était cassé un ongle. Sauf que c'est à se demander, doucement, si monsieur n'est pas hémophile. Attends, bouge pas, bébé. Cet ongle-là. Tu vas m'en vouloir, mais bon. Eh ben, ongle cassé. Il a fait le mariole pendant que je faisais mon petit nettoyage. Alors, nettoyage quotidien, c'est-à-dire, je rempote la nourriture, j'enlève les copeaux du sable, des cendres, je remets du foin, je vidange l'eau, machin. Et puis d'un coup, je vois un peu de sang. Et puis j'ai vu qu'il s'était. Enfin, l'ongle s'était cassé, pas tout à fait à la base, mais relativement. Ça s'arrêtait pas de saigner. Alors je dis, on va essayer la méthode douce, on désinfecte, on met de la maïzena. Ça marche pas. Il me restait de la poudre hémostatique, heureusement, mais même avec ça, c'était pas top. Ça a fini que j'ai dû faire chauffer une cuillère et puis mettre un point de chauffe sur l'ongle pour être vraiment sûr. Parce que j'avais fait carrément une grosse boulette de poudre pour faire coaguler les saignements. Et puis je voyais le peu que ça se fissurait un peu. Ça saignait par en dessous. Alors je me disais, lui, en gratouillant ici, ça va repartir et ça va recommencer. Donc du coup, j'ai dû en arriver à une sorte de petite cautérisation, chauffer le morceau d'ongle en question. Je pensais pas que j'aurais fait un saignement pareil, ça ne s'arrêtait plus. Mais bon, là, ça a l'air d'aller, ça fait 4 jours au moins cette histoire. J'ai désinfecté pendant 2 jours, puis après j'ai vu qu'il y avait déjà une belle croûte de cicatrisation, puis ça va. Ça va, ça va. Il y a juste au niveau de sa tête, je sais pas ce qu'il a fait. Ça lui fait comme une petite crête décoiffée. J'avais essayé de le tasser un petit peu avec de l'eau. Mais tu nous montres? Dis. Bon, ça se voit plus trop, mais je sais pas ce qu'il a fait. Genre une crête de plume comme ça, ébouriffée. Ouais, ça se voit presque plus. Encore une petite zone hirsute, mais. Ouais, mais il m'en veut. Il se planque. Monsieur se planque. Alors, je sais pas si vous aviez remarqué la cabane où il y a le sable là. C'est la même dimension que cette cabane-là. Elle a été changée pour une plus grande. Un des seuls endroits où j'en trouve, donc c'était Famille Flora, où je trouvais ces deux dimensions-là, d'ailleurs. Ça faisait très longtemps qu'on n'y avait pas été, donc par la même occasion. Ouais, parce que je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, on n'avait pas encore été à Famille Flora. Non, non. Et donc, je leur ai repris une cabane plus grande. Et maintenant, ils sont bien contents. Enfin, surtout les femelles qui vont aussi patauger un petit peu dans le sable. Ça faisait un moment que je voulais changer de dimension. Pour cette cabane-là. Donc je rappelle, là ils ont du sable, là c'est de la cendre de bois, là c'est une, deux, trois niches à foin. Bon, nourriture, eau bien sûr. J'avais gardé, avant de l'acheter, j'avais gardé la vieille, en plus elle est fissurée. Donc la vieille, bon j'ai pas pris la peine de la nettoyer vu les circonstances, la vieille c'est ça. Donc il y avait des femelles qui arrivent à grimper dedans, mais c'était pas terrible, elles arrivent à peine à faire demi-tour. Et là maintenant, c'est exactement la même disposition, la même chose, mais le modèle plus grand. Donc, ça a quand même l'air de leur faire plaisir. Mais, ça correspondait juste après le changement de cette cabane-là, où j'ai eu 3 œufs, puis 2 œufs. Je me suis dit, oh là, les femelles sont peut-être heureuses. Du coup, elles répondent un peu plus. Mais bon, ça n'a pas duré. Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que ils sont en train de nous faire des travaux pour la fibre. Sauf que du coup, notre internet, qui n'était pas terrible. Là, la connexion, c'est une catastrophe. On a été à Nausicaa, j'ai fait une vidéo souvenir là-dessus. Donc, après moult temps de montage, fait dans les 56 minutes, je l'avais mis à charger hier soir. Je sais pas, il y a eu un bug. Je me suis réveillée ce matin, 0% mis en ligne. Là, tout à l'heure, 2%. Ah bon. Donc là, je vais essayer de ne pas rallonger la sauce et faire une vidéo trop longue parce que déjà que je vais avoir deux vidéos à mettre en ligne en même temps.
Donc voilà, alors je vais préparer les graines, tout ça pour les poules. Alors je vous préviens, il y a un souci avec paillettes boîte. Là ça fait 4 jours, non 5 je dirais. Mis à part le premier jour, le premier soir, maintenant elle rentre dans le poulailler toute seule. Elle insiste le matin à sortir toute seule aussi. Donc je ne la contrarie pas. Et je sais pas, c'était un soir, elle était pas sur le toit du poulailler avec Chéri, Chippy et Nina. Et c'est le lendemain l'ouverture où madame n'était pas sortie et j'ai vu qu'elle posait pas une patte par terre. Donc là, elle s'est habituée à la situation. Mais c'est pas... C'est pas mieux, disons qu'elle s'est habituée si elle pose un tout petit peu, mais bon. Si c'est comme Chéri ou une de mes cailles, hein, ça avait pris du temps avant que la situation s'améliore vraiment. Donc alors pour la litière, donc là c'était Famille Flora. D'habitude Flora Luxe, je l'avais eu alors il y a quelques mois, hein, vers le début d'année. Quand les poulets de chair étaient encore des poussins dans le bâtiment, j'avais eu à 9 euros. Là j'ai eu à 10 euros, enfin 9,99. Parce que les grosses balles de copeaux, même ma famille Flora, c'était 17 euros, je crois. Donc 1 euro moins cher que ce que j'avais à gamme vert, c'était pas mieux. Donc les prix partout. Par contre, le chanvre, ça, c'est un prix arrangeant. En Belgique, du moins. Parce que d'après mes souvenirs, mais je vous dis, avec un JMT qu'on en trouvait, ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Il me semblait que le chanvre, c'était plus cher ou au moins aussi cher ici que les copeaux de bois. Enfin, en tout cas, voilà. On est passé au chanvre. 10 euros, j'y sais bien, parce que là, 17, 18 euros pour des copeaux de bois, ça commence à faire. Hein. Bah allez. Ah oui, puis voilà, j'ai repris la nourriture pour faire du mélange. Alors j'avais mon blé, j'ai pris ça. Donc j'ai pris du non concassé, c'était le même prix. Hein. Ça c'est 10 euros, mais 18 kilos. Il n'y a pas 20 ou 25, faut regarder aussi ça. J'avais pris du non concassé, puisque là j'ai du maïs concassé. Hop, et là le maïs concassé. Donc là j'ai pris, on ne sait pas que du maïs, hein, c'est un mélange de grains. C'est vrai que le maïs, comme il est entier, de loin on voit que ça. Je prends du grain entier parce que je veux toujours que les poules s'habituent à manger du grain entier. Comme là mon maïs, bon ça va pas non plus être une... Je vais pas non plus récolter 50 kg de maïs, mais le maïs là de ma récolte, je vais pas le concasser. Donc je veux que les poules soient toujours habituées à manger du grain entier. Il y a que vraiment les naines où c'est compliqué pour elles, c'est bien de rajouter du concassé. Donc je veux toujours qu'ils soient habitués à manger du maïs entier. Et puis au moins le maïs entier, c'est un truc qui fera pas, qui profitera pas aux moineaux. C'est moins le petit truc positif aussi. Donc tout ça c'est mélangé, j'ai déjà utilisé un sac, hein. De moitié avec des granulés poules. Donc c'est moitié granulé poule, puis le reste c'est mon mélange de grains secs. Donc c'est ce qu'ils ont en ce moment, hein. Je vous dis, selon les achats du moment, il y a toujours des petits changements, c'est pas les mêmes granulés, patati patata. Là c'est des granulés plutôt petits, ils sont comme ça. Donc cette marque-là, ils sont assez petits. Ah oui, alors ça c'est pas garanti sans OGM, hein. C'est toujours le soja qui pose problème, de toute façon. J'en avais parlé de ce mélange-là à gamme vert. Où il y a de l'orge dedans, mélange pas trop cher. Dans... J'ai plus la photo, je crois. Je vous avais dit une fois qu'il y a beaucoup de sable dedans. Et ça, en fait, c'est tout ce qui est en sable dans. J'irais 3 pelletés et demi. 3 pelletés et demi de la grosse pelle. Pas la plus petite, là. La plus grosse. Et j'avais déjà dit une fois, hein, qu'il y a beaucoup de sable dedans et ils alourdissent aussi avec le sable. Alors quand on fait des graines fermentées, c'est pas trop arrangeant qu'il y ait du sable. Et il y en avait un mélange qui était pire et je sais qu'il y avait de l'avoine dedans. Et il y en avait eu encore plus du sable pendant un temps. Là, c'est pas encore le pire que j'ai eu. Enfin bref, voilà. De toute façon, même les mélanges de grains qui avant étaient considérés parmi les moins chers, c'est devenu maintenant au prix de ce qu'il y avait de plus cher avant des autres marques. Enfin bref. J'ai racheté des pièges neufs. Contre les campagnols, ici là, et puis sur les deux autres, il y en a un, je sais pas où il est, celui qui était très abîmé, et l'autre, je l'ai mis dehors, je le change de place de temps en temps. Pour l'instant, j'ai rien chopé, on en reparlera après, mais je confirme que c'est bien des campagnols, du coup, les rognages au niveau de mes pommes de terre. Donc, je me suis dit, des pièges tout neufs, c'est un peu fragile, ça, je préfère les mettre dans le garage, et puis le vieux piège, il restera dehors, et puis j'essaierai d'en piéger dehors, comme ça, un petit peu, mais déjà, faudrait que je change la page, je pense. Alors, on va refaire le mélange ensemble, parce que ça fait un petit moment, enfin, les graines fermentées. Donc là, c'est le sac dont je vous avais parlé, il est pur, ce mélange-là. Bah, il y a de l'avoine dedans. Mais vraiment, là, au milieu, il y a un grain très pointu. Pendant un temps, il était noir.
cette avoine. Bon, donc c'est dans ces sacs-là qu'il y a beaucoup de sable. Vous allez me dire, le sable, c'est bien pour les poules, leur digestion, tout ça. On va dire que les petits oiseaux, style l'écaille, leur grite, c'est bien que ce soit du sable. C'est pour ça que les miennes, elles ont un bac à sable. Donc, elles aiment bien se rouler dedans, elles aiment bien aussi manger du sable. Mais pour les poules, ce qui est plus efficace pour leur gésier, c'est mieux quand même du grit. Donc moi là, c'est un mélange de coquilles de mer, moitié-moitié en gros, avec du grit pour pigeons rouges. Ils aiment bien la couleur rouge, tout ce qui est couleur rouge, jaune, tout ça. Donc je trouve qu'ils mangent... Ils prennent plus régulièrement du grit avec du grit rouge comme ça. Et en plus, il y a des extraits d'anis dedans pour la digestion. C'est censé être bon pour eux. Voilà, j'en remets une moitié en plus. Parce que là, ils nous annoncent des chaleurs. Alors, c'est très local. Mes parents, ils n'ont pas été concernés à ce point-là, en étant à une vingtaine de kilomètres. On a eu de la pluie, que de la pluie, que de la pluie. Ça n'avançait pas pour la récolte des pommes de terre. On a vraiment fini avant-hier, là. Enfin, avant-hier, sauf les El Mundo le long du grillage. Mais il fallait que le carré au jardin, au milieu, soit fait. Parce que ça n'allait pas avancer pour les semis. Je suis déjà très, très en retard. Bon, on avait aussi, ouais, voilà, on avait un peu, t'es un peu débordé aussi, hein, bon. Mais bon, ouais, on a eu beaucoup, beaucoup d'eau. J'avais vu dès le pluviomètre, là on est lundi, hein, parce que un peu à la bourre. On est lundi, dimanche la semaine dernière, après vous avoir montré le pluviomètre, j'avais vidé. Bon là, il y a peut-être eu un peu d'évaporation, mais on a encore eu ça de pluie. Mais pas, pas du tout, hein, c'est vraiment local. Il y avait même eu la route limite avec des flaques d'eau d'inondation, là. Ça, je vais le mettre dehors. Pas l'oublier comme la fois dernière. Hop. Donc ouais, l'eau... Alors, les dernières patates récoltées. En plus, j'ai une terre argileuse. Ça fait des motins de terre collée dessus. Mais bon, on a fait comme on pouvait. Là, il renonce pas loin de 30. Allez, les bijoux. Hop là. Mais chérie, il m'a fait un faux espoir parce que en début de semaine dernière, il dormait plus sur le toit du poulailler. Mais bon, c'est reparti. Ouais, la petite paillette. Tu veux que je t'aide, mon bijou? T'aimes pas que je t'aide d'habitude? Tu veux quand même un coup de main? Mais oui, je sais que ça te... Mais oui, ça lui plaît pas que je l'aide. La fierté d'une poule, hein, qu'est-ce que vous voulez? Bon, elle se débrouille, elle pose un peu, hein, parce qu'elle posait pas du tout, du tout. C'était que du cloche-pied au début. Alors bien sûr, c'est pas le top, mais là, elle se débrouille et elle remarche un peu. Elle marchotte, on va dire. Aïe aïe aïe, ils sont. Comment dire? Il y a les gars qui sont venus pour les câbles électriques à l'instant, là. Donc je vais peut-être arrêter de filmer 2 secondes. Je pense que je vais ouvrir les poulets un peu de loin parce qu'il y a le gars dans sa nacelle, bah, juste au niveau du frêne là, qui va voir tout ce que je fais. Donc je vais ouvrir vite fait les poulets, puis je vais filmer du kéol pour montrer un petit peu les conflits du matin, parce que là les coqs qui sont à fond sur les poules. Alors les deux rousses, elles morflent. Les pauvres, elles sont terrorisées, donc il n'y en a plus pour très longtemps, hein. Je pense qu'on va devoir le faire en 2 fois. Ça sera les coqs les plus âgés. On va tuer en priorité parce que là avec les hormones ils sont infernaux avec les femelles. Alors le pire des coqs, c'est celui qui ressemble à Chéri, qui ressemble à son père. Une horreur. Les rousses, elles sont terrorisées. Et lui par contre, il est pas tout à fait mieux, le noir avec le cou blond là. Bon, là, ce matin, ça va encore, hein. Mais vous voyez, la rousse, elle est un peu à l'écart, des fois. Elle reste au fond du poulailler, elle veut pas trop sortir. Elle met quelques minutes. Parce que lui, c'est pareil, il chope les poules à leur cou. Ce qui veut les cocher, mais ils s'y prennent mal en plus. Alors les pauvres poules, elles hurlent. Aïe, aïe. C'est
Ça y est, la cougne rousse, on la voit. J'avais un peu peur. Elle se planque au ciel parce qu'elle a... Elle subit pas mal d'attaques. Hein. Comme elle a ses barbillons, sa crête qui pousse. Les hormones, ça commence à être bon pour la ponte. Alors, elle doit aussi essuyer les assauts des mâles. Bon, les conflits, ça va ce matin. Hein. Hier, je vous dis pas. Ma petite mâche, elle pousse. Eh, Rose de Berne, on va enfin pouvoir y goûter. Aïe, aïe, aïe. Mon cornichon du Mexique. J'ai pas encore fait la récolte. Là, je vais pouvoir en récolter plein d'un coup. Les choux noirs Toscane, je vous avais dit, il y en avait 4 qui avaient bien repris. Et ben, ouais, hein, ça... C'est en bonne voie. On verra bien ce que ça donne, mais ça a l'air quand même bien parti. Hein. Les pauvres, ils avaient quand même beaucoup morflé avec les chenilles. Hein. Ils avaient plus de feuilles. Physalis, ça continue. Là, je suis contente quand même que la belle saison se prolonge finalement. Alors, la pluie, ça a été bénéfique. Ouais. Vous voyez là, au début, tout est vert. Hein. Ça ne saute pas aux yeux. Hein. Et puis quand la petite le feuillage autour sera jaune, on pourra enfin goûter. Alors faut se méfier d'un truc, j'ai récolté des graines de salade, ça à part les prendre dans mes mains pour émietter, j'y toucherai pas trop parce qu'en fait j'ai, alors ça dépend de chacun hein. J'ai des insectes orangés, je sais pas si on pourra voir, qui me bouffent les graines à l'intérieur. Ça se voit pas trop. Comment dire, je les ai toutes récoltées, celles-là. Les pompons, quand ça fait des pompons, des touffes de pompons, que le pompon est à deux doigts de faner, c'est pile le bon moment où là, je vais récolter des graines en étant sûre qu'elles ne vont pas être attaquées par des ravageurs. Parce que c'est surtout pour les conserver après, ça pose problème si je mets en sachet avec des ravageurs dedans. Ah ben là, ça peut se voir. Là, vous voyez, on voit pas trop là les bestioles, mais c'est des, ça fait des petits points orange. C'est vraiment tout minuscule orange. Donc après, c'est propre à chacun, mais moi je sais que voilà, quand les graines sont en surmaturité comme ça, c'est le problème de ces insectes-là que j'ai peur de conserver dans mon sachet de graines. Après, si on congèle, il n'y a pas trop de problème. Donc je préfère les émietter direct dans mon jardin, celle-ci. D'ailleurs, j'en ai déjà émietté pas mal ici. Et celle que j'ai gardée comme graine, c'est vraiment celle où j'étais sûre qu'il n'y a pas de parasites. Ouais, je vais prendre ma tomate d'ailleurs. Alors oui, je voulais vous montrer. On parle toujours de l'ergot. Alors ça, j'ai pas fait de recherche approfondie. De l'ergot du blé. Et là, on dirait la même équivalence sur le maïs. Ouais, l'épi de maïs. Là, c'était le haut de l'épi. Et ça fait ça. Ouais, ça fait comme... J'ai pas fait de recherche, hein, mais... Ça ressemble vraiment à l'ergot du blé, mais version maïs. Alors, bon, tout ce qui est tournesol, artichaut, tout ça, j'ai pas grand-chose de plus à signaler. Là, mais ici, j'ai pas de nouvelles petites courgettes. C'est toutes les grosses courgettes que je garde pour faire des graines. Et je voudrais, par curiosité, parce que j'en ai deux que j'ai loupées là-bas aussi, comme en fait, c'est pas vraiment des courgettes, même si je les mange comme telles, c'est des courges, savoir si, est-ce que je peux les manger en guise de citrouille? Ou est-ce que c'est uniquement décoratif quand c'est des citrouilles? Je sais pas. Je verrai. En tout cas, s'il n'y a pas d'amertume ou quoi, c'est que ça peut se manger aussi en citrouille. Sinon, je sais pas. Je sais que jeune, comme je fais, on mange en courgette. Et après, c'est à viser décoratif plus tard. Mais je suis pas sûre. Hein. J'aimerais quand même voir. Parce que là, j'en ai quand même pas mal pour les graines. Je vais peut-être tenter de voir si ça peut se manger en citrouille. Je sais pas. Bon. Donc voilà, les pommes de terre, ça a enfin été récolté. Bon, là, j'ai pas la clé de la cave. Il y a encore les El Mundo, de toute façon, à récolter là-bas. J'attendrai que tout soit récolté pour vous montrer. Mon père m'a ramené aussi des sambas et des... J'allais dire Bernadette, mais je suis pas sûre. Je sais plus, la deuxième... Il m'a ramené de ses pommes de terre. Du coup, la cave, elle est pleine. On est même un peu embêté pour entreposer les pommes de terre. Ça reste les blanches, la plus belle récolte, malgré la rate au pied. Et je sais le nom de ma variété à chair ferme qui était dans ce carré-là, c'était la Jazzy. Et après, les binches, j'avais fait des fosses, où j'avais versé tous mes petits tubercules en germination.
Le souci, alors ça a bien poussé. Le souci, c'est que ça fait beaucoup de petites pommes de terre et quelques-unes énormes. Donc, c'est mitigé. C'est sûr que vraiment, c'est pour manger des pommes de terre grenaille. Il y en a eu beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de petites en faisant dans des fosses comme ça. Mais comme je dis à mon conjoint, si je les avais balancées, je les avais pas mises, j'aurais rien eu du tout. Mais il y en a eu des très grosses par contre. Alors là, j'ai fait 11 routes. Rutabaga, il n'y a pas beaucoup de graines par sachet. On va attendre que le clocher ait fini de sonner. C'est bon. Alors, rutabaga, j'ai mis tout le sachet. Normalement, c'est fin juillet maximum. Là, ben, je l'ai fait ça hier soir. On est arrivé début septembre. Hein, donc, on verra bien. J'ai versé tout le sachet. Puis, j'ai c'est tout. Et là, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai mis dans l'ordre. Alors, des légumes qui prennent vraiment de la place, comme des choux. J'ai pas mis de route de choux côte à côte, du coup. Hein, comme là, c'est un peu serré. Il y a juste deux trucs que j'avais déjà mis là. Hop. Là, je vous rappelle, hein, c'est mon semi-spontané de roquette qui a pris beaucoup de place. Ah, je confirme là-bas, c'était bien des radis qui avaient poussé aussi. Mais le point positif, ça, là au moins, c'est qu'il y a des épinards qui poussent. Par contre, la rouge grenobloise, c'est cette route-là. Là, j'ai dégagé un peu hein, la roquette. J'ai remis des graines. Là, quand je faisais ma récolte dans le kéol, j'ai remis des graines fraîches. Parce que la rouge grenobloise, ça germait pas bien. Ah, c'est pas vrai. Mais en fait, tout ce qu'on a taillé, ah oui, parce qu'on a mis les bassins, ouais, faut que j'en parle aussi. Les bassins au propre et tout. Enfin, un bassin. Cuve. Du coup, tous nos branchages, les petites branches, hein, gros calibre, ça a été mis ailleurs, mais toutes les petites branches, ça a été mis partout sur la pelouse. La pelouse qui a elle-même besoin d'être tondue, du coup, on s'en pierge dans toutes les herbes. Alors, vous voyez les petits sachets en papier comme ça. Ben c'est pas terrible. Je vais prendre ma chaise, comme ça je vais mettre les sachets dessus au fur et à mesure. C'est pas terrible pour la conservation, surtout pour les salades. Les salades perdent vite leur taux de germination. Vous voyez, on a mis les cuves au propre. J'en parle juste après, j'ai failli oublier d'ailleurs de le dire. Alors, la toute première route, hein, je vais aller dans l'ordre, hein, d'ici jusque là, à gauche vers la droite. La première route, c'est les choux cabuvers de printemps, cœur des vertus. Ensuite, j'ai mis la laitue Paris Island. Et puis j'ai essayé de pas être bête et pas mettre de variétés qui se ressemblent côte à côte, à part la mâche. La mâche, de toute façon, normalement, il y en a une, elle est verte claire, l'autre vert foncé, on verra bien. Chicorée frisée. Ensuite, chou cabu, bacalandi. Moi, j'ai pris que des cabus parce que voilà, je voulais des choux résistants pour l'hiver. C'est pas dit que je vais manger du chou cet hiver. Ça sera peut-être qu'au printemps, à la reprise végétative. Voilà. La roquette, alors ça, c'est pas de la classique comme j'ai là. La classique, ils appelaient ça, je crois, de la roquette cultivée. Bon, tu parles d'un nom. Là, c'est de la roquette ice bread, normalement, idéale pour l'hiver. Laitue feuille de chêne blonde, j'avais hésité entre la blonde et la rouge. Bon, j'ai pris la blonde. Chou rutabaga, bon, j'ai même pas refermé le sachet parce que j'ai tout utilisé. Ça, c'est le truc où j'ai des doutes. Hein. Mais bon, parfois, parfois, il y a des semis. On se dit, tout est censé bien se passer, ça se passe pas bien. Et là, peut-être qu'au printemps, il y aura une repousse et puis que j'aurai peut-être des rutabaga, on verra bien. Hein. Laitue paumée de printemps, gotte jaune d'or, ça j'ai vraiment pour l'hiver, ça a été très chaleureusement recommandé. Mâche ronde maraîchère, donc celle-ci elle est verte claire, et celle-ci verte de cambrai, normalement vert foncé. Donc ça devrait quand même se distinguer, c'est sur cette ligne-là et cette ligne-là. Après pour pied d'hiver, pareil, j'ai fermé le sachet, j'ai des petites bestioles invisibles qui me grimpent dessus, c'est pas possible. Donc vous voyez... À côté du piège. Là, ici, il y a un petit bâton. J'ai mis une petite portion de pourpier d'hiver. J'ai mis plein de graines. Enfin, j'ai fini le sachet. Bon, j'en avais pas non plus le sachet. Ça faisait... J'avais tenté déjà un semis l'an dernier. J'ai fait un semis là. Et j'ai ici, dans cette zone, si ça germe enfin, je le verrai. C'est sûr. Je suis pas embêtée par mon semis spontané de roquette à cet endroit-là. Et la laitue Val d'Orge. Normalement, une laitue d'hiver aussi, de chez Graines Bokeh, que j'avais tenté ici, là-bas. Je l'ai mise là, parce qu'au début de la dernière route, j'avais pas mis de graines. Il faisait déjà nuit hier, puis si je mettrais mes poireaux. Mais je dis franchement, mes barquettes de poireaux, mes 10 pauvres poireaux, bon, j'exagère, il y en a peut-être un peu plus que 10, mais ah, je pourrais les intercaler un peu n'importe où, à droite à gauche, peut-être entre deux piquets ici. Ah, je veux pas sacrifier une route pour ça. Je dis, c'est maintenant qu'il faut se décider pour les semis, parce que après, il va être carrément trop tard.
Donc je dis, je vais finir mon sachet de pourpier d'hiver. Et puis je vais remettre la laitue Val d'Orge ici. Alors voilà tous les semis que j'ai fait. Donc les 11 routes. De toute façon, les routes sont collées serrées. Si jamais il y a des trucs qui ne germent pas, c'est pas un drame. On ne peut pas dire que j'ai pas exploité l'espace au maximum. Hein, vu l'étroitesse des routes. Bon voilà, comme ça, les semis d'hiver c'est fait. Il y a encore les patates à récolter là-bas. Bon, tout le reste, les tomates, de toute façon, on est au même point. Vous voyez, les tomates, là, il va refaire beau et tout. Donc, ceux qui ont eu mildiou, on est toujours au même point. Hein. Bah, et ça refait du vert quand même. Pas être médisante. Donc, j'en ai recongelé. Les cornichons, ils refont des fleurs. Là, on en voit une là-bas. Mais le problème, c'est que les petits fruits avortent. Donc, du coup, j'ai pas de nouveaux cornichons, à part ceux qui sont en surmaturité pour récolter des graines. On verra si là, ça change quelque chose, là, les quelques jours de beau temps là qu'on va avoir. On verra bien. Alors, on va finir par les cuves. Donc, ici, il y a des alevins dedans. Je pense que c'est des alevins de poissons rouges, parce qu'il n'y a jamais eu autre chose que des poissons rouges, en tout cas, dedans. Et c'est l'hiver dernier qu'on l'a vu, puisque l'hiver... Comme il n'y a plus trop de soleil, l'eau devient très transparente. Il n'y a plus des micro-algues vertes en suspension dans l'eau. Et à la lampe torche, on avait découvert par hasard, comme on voyait vraiment jusqu'au fond de la cuve, c'est vraiment à cette occasion-là qu'on a pu voir qu'il y avait des alevins. Il y en avait au moins 4. Il y en a entre 4 et 6. On suppose alevins de poisson rouge, du coup, ceux qui étaient là avant qui se sont reproduits. Et les grands, je les avais transférés dans le bassin. Pareil pour la cuve là-bas, il y avait deux poissons rouges qui ont été mis dans le bassin. Ça, pour des poissons rouges, je dirais c'est 3 maxi pour qu'ils soient heureux, c'est 310 litres, parce qu'après ils grandissent, hein, les poissons rouges. Après, ça ne me dérangerait pas dans des cuves comme ça d'avoir que des petits. Là, je suis partie 2 secondes rajouter à manger, comme ça vous verrez peut-être des signes de vie en surface. Donc, si j'avais pas constaté l'hiver dernier d'alevins dedans, donc... A priori des bébés poissons rouges, on verra cet hiver. Sinon j'aurais remis des danios ou des tanictis ici. Donc là on va peut-être pouvoir observer. Ils sont moins farouches, ça c'est les danios ici, il y en a 5. Hein, quand vous voyez des petits mouvements à la surface de l'eau, c'est qu'ils viennent manger, mais c'est pas évident de les observer sans leur faire peur. Et dans l'autre cuve, il y a 5 tanictis. Eux, ça va être plus compliqué. Je les surveille à la lampe torche le soir. Il y en a toujours 5. Les danios avec les lentilles d'eau, j'ai du mal à voir. Bon, je n'ai pas retrouvé de cadavre en surface, c'est déjà bon signe. Là, je pense pas. Ils sont moins... Ils vivent un peu moins en surface, les tanictis. Ils sont un peu moins à l'affût de la nourriture. Donc ça met beaucoup plus de temps à ce que la nourriture parte. J'essaie de les engraisser un peu avant l'hiver parce que là c'est très tardif pour mettre des poissons. J'avais cru en prendre en Belgique, sauf que maintenant il faut une autorisation, tout ça, faut faire imprimer un papier à la mairie comme quoi on peut détenir des animaux, qu'on n'a pas de problème avec la justice vis-à-vis de ça, machin. Bon, j'ai tant pis. 10 € les 5 au lieu de 10 € les 6 à gamme vert, j'en aurai un de moins, mais au moins il n'y aura pas toutes ces difficultés à avoir des poissons. Donc là je pense qu'on verra pas grand chose, hein. Mais à la lampe torche, le soir, je les vois toujours. C'est ça le principal. Donc, tanictis, c'est un peu plus robuste. Les deux vont en extérieur. Mais comment dire, un gros cirf. On dirait une grosse mouche, hein, mais avec des couleurs. Qui font croire aux prédateurs que c'est des guêpes, alors que non. Il y en avait un dans la maison, et puis je dis non, c'est pas une guêpe, c'est un cirf. Alors du coup... Il trouve que je crâne, que je fais ma crâneuse en disant ça, mais je dis bah oui, bah, c'est un cirf, c'est un cirf. Bon, bref. Alors, les tanictis, comme ils sont, à mon sens, un peu plus robustes que les danios, cette cuve-là, c'est une cuve semi-enterrée. Du coup, quand il gèle, il fait des grosses gelées, comme par exemple moins 8, la couche de glace est assez épaisse ici. Il faut vraiment qu'il se tapisse dans le fond. J'ai un peu plus foi dans les tanictis pour survivre dans cette cuve là que les danios. C'est pour ça mon choix, et c'est pas plus mal parce que les danios sont plus facilement observables, et c'est plutôt cette cuve là qu'on a tendance à observer puisqu'ils sont plus souvent en surface, et comme là ils sont un peu moins farouches pour venir chercher à manger, on en profite un petit peu plus. Après ça existe des tanictis et des danios gold, ils sont dorés, donc du coup on les voit beaucoup plus facilement. Mais voilà, là c'est pas sûr, j'essaie de les engraisser pour l'hiver.
Là, c'était dans deux bacs différents. Il y avait deux d'agneaux qui étaient super beaux. Je dis, mettez-moi ces deux-là déjà. Et après, les trois autres. Alors, il y avait aussi des d'agneaux léopards. Il y avait des d'agneaux un petit peu plus clairs avec des longues nageoires. Bon, moi, j'ai dit, mettez-moi des classiques. Un peu plus de chance d'être robuste. Et il y en a un, surtout, hein, le plus petit. Je le trouve un peu maigrichon. Il faut qu'il s'engraisse pour l'hiver, hein, pour maximiser les chances. Mais ça m'étonnerait quand même que là, sur les 10 en tout que j'ai, 5 d'agneaux, 5 tanictis, ça sera un miracle qu'ils survivent tous à l'hiver. Mais si jamais c'est le cas, qu'il y en a le maximum qui survivent, ça serait bien qu'après on puisse espérer une reproduction. Là, les grenouilles, du coup, depuis qu'on a tout dégagé, ils sont un peu moins là, ils sont tous partis vers le bassin. Je ne sais pas si mes énormes grenouilles ne pourraient pas manger des petits poissons comme ça. Ça, par contre, je ne sais pas. Je sais que dans le bassin, j'en avais introduit, je les avais vus 2 ans, c'était les Tanictis Gold, et après je les ai plus vus parce qu'ils ne sont pas reproduits apparemment. Puis après, il y a eu les grenouilles qui sont arrivées, etc. Donc les grenouilles, et puis aussi les poissons rouges qui ont grandi, hein. Je ne sais pas si réintroduire des tout petits poissons comme ça, Tanictis et d'agneaux dans le bassin, c'est surtout vis-à-vis du prix, hein, ça coûterait moins cher, ça ferait moins mal de tenter l'expérience. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner en termes de survie. Mais là, en tout cas, voilà, j'ai tenté le coup, puis... On verra bien au printemps prochain, mais j'aimerais beaucoup avoir des reproductions, etc. Du coup, on verra. Avec Nausicaa et puis ça, c'est à fond dans les poissons en ce moment. Donc là, ça fait, ça va faire pile une semaine, je crois, qu'ils ont été introduits. Ou presque. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Et j'essaie donc de les engraisser pour passer l'hiver ensuite. Donc, si on a des gelées très tardives, ça leur fera d'autant plus de temps pour s'habituer. Mais normalement, c'est plutôt mai-juin pour introduire des poissons en milieu extérieur. Surtout des poissons qui ont toujours été élevés en aquarium. Voilà. Allez, à plus.